Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un produit geek, encore une lampe. Ma fameuse lampe Sony PlayStation, lampe à lave, hein, pas en forme de PlayStation 5 ou 4, que j'attendais d'Amazon. Alors le premier colis était endommagé, donc il a fait que j'en recommande une. J'ai vu dans les commentaires qu'un autre client avait eu le même problème. Et j'ai eu la mauvaise surprise, alors la lampe marche bien. Mais en fait, ils vous le fournissent avec une prise anglaise sans adaptateur. Donc vous verrez ça dans la vidéo, j'ai déjà tourné la suite. Voilà, heureusement j'avais un adaptateur pour les prises anglaises. Mais Amazon, j'aurais écrit, voilà, vous vendez des produits en France, il faut vendre des produits avec une prise française. Ou offrir l'adaptateur. C'est un petit peu couillon. Donc on a une lampe à lave. Alors j'ai déjà testé deux lampes PlayStation. Une chaque année, une en 2018 et en 2019. Vous avez les photos là et là. Voilà, c'était des lampes clignotantes à LED qui marchent par rapport à la musique. Les deux lampes, ben, je les ai revendues peu de temps après dans les conventions que je fais. Alors cette année, il n'y a pas de convention. Franchement, je suis fan des deux lampes. Celle-ci est sympa, vous allez la voir. Mais c'est plus pour adultes, puisque c'est une lampe, j'appelle ça une lampe à lave. Donc ça chauffe, c'est pas alimenté en USB. Ça ne marche pas par rapport à la musique, en fait ça va chauffer. Vous allez avoir des icônes qui vont descendre et monter. Des croix, des carrés, des triangles. Suivant, voilà, un mouvement aléatoire. Donc je vais vous montrer comment marche la lampe. Elle est sympa, mais sachez-le, vous le reverrez dans la vidéo après. Il faut un adaptateur français. Ça coûte 4,50€, je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous rajoutez ça au prix de la lampe et vous arrivez dans les 39€ quand même. Ça fait un peu cher. Voilà, c'est le petit défaut de la lampe. Les autres, c'est en plastique, vous branchez la prise, vous les faites tomber, ça craint rien. Ça, c'est une lampe avec un flacon en verre. C'est quand même plus fragile. Oui, ça va. Ça gigote, mais tout est en place. Donc allez, je vous propose qu'on regarde ça de plus près. Sur mon petit plan de travail. A de suite, les amis. Et voilà la lampe Sony. Donc cette année, c'est pas une lampe à LED. C'est une lampe, on appelait ça avant les lampes lava. Ça va chauffer. Et ça va bouger avec la chaleur. Donc on a une boîte de produits officielle, et encore pas la donne. Ceux qui ont beaucoup de licences. PlayStation, pour les fans de la PlayStation. À l'arrière, illuminez votre room, illuminez votre pièce avec les icônes de la PlayStation. On voit qu'il y aura des carrés, des cercles, des croix, des triangles. Alors je pense que oui, voilà. 240, 50 Hz, donc ça va marcher sur le secteur. Ce ne sera pas de USB, il y aura une ampoule de 25 watts à l'intérieur, puisque c'est l'ampoule qui va chauffer et qui va faire ce phénomène. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Alors dedans, attention à pas le casser, on a la bouteille en verre, c'est très lourd hein, par contre comme lampe, je vous le dis. Mettez pas ça dans une chambre d'enfant. Hein. Déjà parce que c'est lourd, et ensuite parce que ça chauffe, hein, c'est pas du Pepsi, du Blue Pepsi. On a la bouteille, et on a le socle et le couvercle. Et on a une prise qui n'est pas une prise française. Donc j'espère qu'ils ont mis l'adaptateur. Voilà, donc c'est joli, mais par contre, c'est pas normal. Alors par chance, j'ai un adaptateur, heureusement. J'ai cette prise qui me sert pour l'USB et pour mettre les prises au format chinoise, mais bon. J'ai créé Amazon, normalement, ça devrait être quand même vendu avec une prise européenne, quoi. Alors le principe est tout simple, ici vous avez la base, avec une ampoule dedans, le logo PlayStation qui est bien devant. Ici, vous avez un petit autocollant. Attention, ça va chauffer. Vous prenez le socle, vous mettez la lampe dedans, et sur la lampe, vous mettez le couvercle, et ça s'allume, ici vous avez un bouton on-off, et on va attendre un petit peu parce que ça va chauffer et ça va bouger. Voilà, donc je vais déjà commencer à éteindre, donc j'ai déjà commencé à éteindre le temps que ça chauffe. Voilà, ça fait une belle lumière bleutée, et vous devez le voir, vous avez les zoom un petit peu dessus. On est sur le bas de la lampe ici et ça bouge. Alors du coup j'aperçois que le tube est un peu gras et il faudra le laver un petit peu, l'essuyer. Et voilà, vous voyez, vous avez les triangles, les croix, le carré, le cercle, ça bouge, c'est magnifique. Je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Vous voyez que ça monte et en plus sur les murs, alors ça vous donne pas des carrés, des cercles sur les murs. Et voilà, vous avez cette petite impression là d'ondulation. Donc faites attention parce que ça, je vous le dis, c'est une lampe qui est très lourde.
ne mettez pas pour tes enfants, et puis après ça va être aussi très chaud. Ce qui est quand même une ampoule de 25 watts qui chauffe tout ça. Là vous voyez, j'ai allumé que la lumière du bureau, j'ai pas allumé la softbox. Ça rend un peu mieux. Et vous voyez ce que ça donne. Donc la base est sympa avec le logo PlayStation. Le câble est assez épais, assez long. Si vous éteignez, hop, ça s'arrêtera au bout d'un petit moment de bouger. Pour allumer. C'est sympa cette couleur bleue, je trouve. Bloudre outre-mer, j'allais dire. Mais gardez à l'esprit que c'est pas pour être près des enfants que ça pèse lourd, ne le mettez pas sur l'étagère que vous avez mal fixé. Et surtout, la prise, voilà, la prise n'est pas la norme, quoi. On a une prise anglaise. Ils ont pu fournir un adaptateur français. Donc au cas où, je mettrai le lien vers l'adaptateur français. Et c'est un peu dommage, au prix de la lampe, ils pourraient quand même nous fournir le bon adaptateur. Donc comme dit, je vous dis, vous aurez le lien dans la description. N'hésitez pas à me donner votre avis. Dire ce que vous en pensez. Après, voilà, c'est un produit qui n'est pas donné. C'est dans les 35 à 40 euros. Vous avez essayé une il y a 2 ans avec Star Wars. Et par contre, c'est vrai que ça rend bien. Vous la mettez entre votre PlayStation, votre futur PlayStation 5, qui prendra de la place, et votre télé. Voilà, pour fans de PlayStation. Vous avez la petite loupiote. Alors je touche, non, ça va, c'est pas encore trop chaud. Ça, il faut pas le faire ce que je veux faire. On enlève le flacon. Là, vous voyez d'un peu plus près. Donc, par contre, il faut pas percer la capsule qui est dessus. Voilà, c'est nul, je crois, qui est dedans. Et en chauffant. Hop, tout bouge. J'avoue que la stabilité n'est pas des plus top non plus. Là, entre ça et le chapeau, là, il faut bien le positionner. Il ne faudra pas tripoter la lampe tous les jours. Donc allez, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.